Salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer une vidéo haul, oui. De ce que j'ai acheté en une semaine à peu près là, ce que j'ai reçu des choses la semaine dernière, mais bon comme j'étais pas trop en pêche, je sais pas trop montrer. Donc voilà, j'ai acheté les. Donc ça j'ai reçu ça hier, donc les polycolores, les 72 polycolores de Koinor. Donc j'avais vu ces crayons là sur la chaîne de Morgan Colopassion. Et là, j'ai fait le nuancier. Franchement, ils ont l'air top. Donc ça, je vais vous en reparler après. Hop. Parce que je les ai mis en trousse, ils ne sont plus dans leur boîte. Donc j'ai reçu aussi, donc j'ai pris sur Amazon, donc le coloriste Special Effect, le numéro 1 d'Hélène Elliston. Donc ce sont des tutos pour apprendre à faire différentes choses. Les yeux, les cheveux, les verres de lunettes, les larmes, les yeux... beaucoup de choses, apprendre à faire tout ce qui est gemme, les pierres, le chrome, les flammes de bougie, l'or. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et celui-ci que j'ai trouvé sur eBay. Donc pareil, donc c'est le numéro 2, donc avec pareil, différent pour faire les jambes, les ombres, les bonbons, les emballages de bonbons, les coquillages, voilà, les herbes, les fleurs, les flammes. Donc voilà, et c'est vrai qu'ils ont l'air top. En plus, vous pouvez vous entraîner. Donc franchement, non, ils sont super. Donc celui-ci, je l'ai eu à 14,90 et l'autre 20,03 € sur Amazon. Donc en version colorisée, bien sûr. Donc voilà, il manquera plus que le 3 que j'essaierai sûrement de me procurer pour avoir la série complète. Et puis j'ai vu qu'il y avait une autre marque aussi où il y en avait. Ils avaient l'air pas mal aussi. Donc voilà, donc je vous montre un petit aperçu de tout ce qu'on trouve en tuto dans ce livre. Et voilà. Par contre, dans le 2, on précise bien que les numéros des crayons, donc les Prismacolor, j'avais un trou, donc les Prismacolor, il me semble, je ne sais plus si c'est dans celui-ci, non, je crois que c'est dans le premier qui parle, non, le voilà, donc Prismacolor et Polychromos, quoi, donc à peu près, je crois, les équivalents, je pense, qu'ils ont voulu faire. Donc voilà pour qu'on. Donc ce qui est en carré, c'est les Prismacolor et en rond les Polychromos, donc des équivalents de couleurs. Donc je trouve ça bien. Là pour les combinaisons de couleurs. Donc voilà. Plein de petits tutos qui sont super. Donc voilà. Et j'ai trouvé aussi. Donc ça, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé aussi donc à l'espace culturel Leclerc, le Roi Lion, coloriage magique, trompe-l'œil. Donc j'avais déjà l'autre avec Dumbo là, et là c'est le Roi Lion. Donc vraiment un spécial Roi Lion, hein, puisque ce sont que... Oups, là oui c'est vrai. Je vais pas vous montrer parce que pour celui qui veut pas être spoilé, mais bon je vais peut-être vous faire une présentation du livre. Donc voilà, donc ils ont fait sûrement ce livre pour la sortie du film Le Roi Lion. Donc vraiment des coloriages trompe-l'œil. Donc ça c'est plus dans le rayon enfant. Ils sont assez simples. Pas beaucoup de couleurs, c'est ça qui est bien. Donc des fois vous voulez vous détendre un petit peu à colorier, ça prend pas trop de temps et puis voilà, c'est top. Donc voilà, on va revenir donc au crayon, donc les polycolores. Hop, voilà, donc j'ai acheté une petite trousse comme ça. Bon, après j'essaierai d'avoir ce portrait. Mais bon, pour l'instant, j'ai cela et c'est vrai que donc moi je les ai achetés en boîte carton. Donc directement en Pologne. Je les ai eus par eBay, donc voilà. Donc je les ai eus avec, donc avec le nuancier là. Il y avait deux tailles crayons incorporées et trois crayons à papier. Donc vous avez un 4B, un 8B et un HB. Donc voilà, j'ai eu ce crayon là au prix de 38 €, livraison gratuite. Et que j'ai eu en même pas une semaine, je crois. Ça a été assez rapide. J'ai reçu ça par un camion. Donc franchement, pour 38 € les 72 crayons de couleur Koinor, ils sont en ce moment à 61 € je crois sur Amazon, bon en boîte métal. Hein. La boîte métal, là, il fallait que je compte 10 € de plus, donc bon, j'ai préféré acheter une trousse à la place. Comme moi, je ne les laisse pas en boîte métal, les trois quarts, enfin quand je peux. Donc voilà, donc vous avez une couleur argent, une couleur or. Donc voilà, je les ai rangés à peu près par couleur. Donc voilà. Les crayons sont assez résistants, bonne tenue en main, franchement ils sont, je vais vous en montrer un, donc voilà, ils se présentent comme ça, ils sont numérotés, franchement de bonne qualité, moi je les trouve
assez gras quand même, hein. Peut-être plus comme il me semble beaucoup les compare au polychromos, enfin ceux qui les. Mais franchement, je les trouve super bien. Donc super contente de les avoir. Et les couleurs sont vraiment bien vives, bien éclatantes. Franchement, regardez-moi ce nuancier. J'ai fait le nuancier là et franchement, non, les couleurs sont belles. Même le blanc est bien. Bon, vous vous rendez peut-être pas compte sur la vidéo, mais franchement, de très belles couleurs. Donc voilà, ben, celui qui n'a pas un gros budget, qui veut des bons crayons. Donc après, vous avez la gamme des gris, la gamme, il me semble, des marrons. Il y a les portraits et la boîte paysage. Donc je sais pas trop, parce que je crois que Morgane Colopatient disait que dans la gamme portrait, vous avez peut-être deux, je crois que c'est deux ou trois crayons. Autrement, le reste, c'est du double. Mais bon, qui est primordial si vous voulez vraiment avoir la gamme pour faire du portrait. Parce que c'est vrai que. Comme vous pouvez le voir au niveau rose, voilà, il n'y a que ça. Vous avez un beige, un rose, c'est limité. Donc voilà, la gamme bleue est pas mal, la gamme verte aussi, marron ça va à peu près, les gris vous en avez aussi, orange, rouge, tout ça, ça va. Mais vraiment la gamme rose n'est pas, voilà, les jaunes ça va encore. Donc voilà, mais bon pour l'instant j'ai les Black Widow pour les portraits, donc bon ça me, voilà pour l'instant c'est pas. Mais autrement, vous pouvez avoir donc la boîte spéciale paysage. Donc vous avez des couleurs en plus qu'il n'y a pas là. Et il me semble que dans les boîtes que j'ai aperçues de gris et de marron, il y a l'air d'avoir des gris et des marrons en plus. Donc, parce que c'est une boîte de 12 marrons. Donc là, bon, là, il est considéré en marron. Donc 2, 4, 6, 8. Ouais, vous en avez 4 de supplément. Ah, 8, 10, ouais, je dirais, il n'y en a que 2, quoi. Parce que là, 2, 4, 6, 8, 9, ah non, 8, puisque là c'est l'argenté. Donc, ouais, là ça en fait 4 un peu de plus. Et là, 2, donc il n'y a pas. Voilà, ça vaut. Faut vraiment regarder, quoi, vraiment si ça vaut vraiment le coup de. Mais bon, au pire, c'est pas très cher, ça permet d'avoir des crayons même en double. Donc, comme ça s'use bien. Autrement, bah, j'ai utilisé les Spectrum Noir Color Blend. Franchement, je les trouve super bien. Vous pouvez voir sur Instagram, j'ai fait donc plusieurs coloriages avec. Et le dernier que j'ai fait, ce sont dans le bloc portrait les enfants Aristochat là, dans le cadre. Donc eux ont été faits entièrement, même mon fond a été fait donc tout au spectrum noir là, color blend. Et franchement, j'en suis super contente. Donc, sauf que bah, mon fond que j'ai fait en rouge, du coup, mon crayon rouge, il est plus grand comme ça. C'était le rouge carmine. Enfin, c'est couleur carmine. Et du coup, il a pris une bonne claque pour le fond. Mais franchement, je les trouve super bien. J'en suis super contente. Donc voilà, c'était pour vous le partager. Et puis que bah, si des personnes veulent les acheter, bah, franchement, je vous dis foncez. Moi, je les trouve bien. Donc après, donc voilà. Donc j'ai plus qu'à tester cela. Déjà au nuancier, je les ai trouvés super bien. Donc voilà, je vais faire, je pense, j'ai un colo à faire cet après-midi. Donc je pense que je vais le faire avec pour pouvoir tester et puis pouvoir vous redire dans une prochaine vidéo comment que je les ai trouvés. Donc voilà, vous voyez la boîte, elle se présentait comme ça. Donc voilà, vous aviez les deux tailles crayons de rangée là et c'était trois racks comme ça. Voilà, donc. Bien rangé dans le bas, un crayon à papier dans chaque. Donc c'était des racks de 24. Donc voilà. Donc franchement, bien emballé, bien protégé. J'ai eu aucune casse, aucun problème. Franchement, je dirais pour le prix, je dirais sur toutes les boîtes métal, c'est pas spécialement. Ça va être comme ça. Utile, je dirais, puisque bon, quand on veut les mettre en trousse. Donc non, c'est vrai que c'est super. Je les ai trouvés impeccables. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc bah, je vous fais tout plein de bisous. Surtout prenez soin de vous et puis bah, un bon colo et je vous dis à bientôt. Ciao!